Les studios Hématome présentent It's Time to Shine. Aujourd'hui, nous allons parler de l'immortalité. Pour ceux d'entre vous qui ont vu la série ou le film Highlander, vous ne pensiez certainement pas que c'était possible. Et pourtant, un animal sur cette terre serait immortel biologiquement. Il s'agit de la Turritopsis nutricula. Et là, vous vous demandez de quoi je parle. Turritopsis nutricula est une méduse particulièrement remarquable en raison de sa capacité unique à revenir à un stade plus jeune de son cycle de vie. Cette caractéristique unique lui a valu le surnom de méduse immortelle ou méduse Benjamin Button. Vous savez, le film où Brad Pitt vit sa vie à l'envers. Alors, comment cela fonctionne finalement ? Eh bien, la méduse va subir comme une transformation que l'on appelle la transdifférenciation. Lorsque la Turritopsis nutricula atteint un certain stade de son cycle de vie, au lieu de mourir, elle peut se transformer en une forme plus jeune de méduse. Les cellules de ses tentacules se différencient en cellules d'autres parties du corps, permettant ainsi à la méduse de recommencer son développement. Comme je vous l'ai dit au début de ce podcast, son immortalité est biologique puisqu'elle n'est ni indestructible, ni exempte de maladies, de prédateurs ou d'accidents. Voilà, il est temps pour moi de vous laisser briller en société et vous souhaiter une bonne journée.